L'année 2022 a été chargée en actualité. Il y a eu des disparitions marquantes, Igor Bogdanov, la reine Elisabeth II, Gaspard Ulliel, Jean-Jacques Sempé. Des adorables naissances, et des terribles événements à l'instar de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Tandis que le passage à l'année 2023 se fera dans quelques jours, l'heure est au bilan, aux introspections. Gala.fr a proposé à plusieurs personnalités de mondes totalement différents de nous parler d'elles, de leur année passée, et leur année à venir. Autour de Laurent Lia, journaliste sportif qui a sorti le livre L'histoire de la Coupe du Monde de football 1930-2022, Ramsay, en octobre dernier. Voici les mots que nous adresse Laurent Lia, cette année 2022 a été très spéciale. J'ai été opéré de l'épaule, la première opération de ma vie et immobilisé plusieurs semaines au printemps, le bras dans une attelle. Puis j'ai enchaîné avec une intense rééducation, le plus important pour un bon rétablissement, tout en préparant les événements sportifs de l'été. J'avais calculé le coup pour être remis 2 mois plus tard pour Roland Garros. Un tournoi magnifique conclu par le 14e titre de Rafael Nadal. 14 Roland Garros. C'est pour moi le plus grand exploit de l'histoire tout sport confondu. Avant cette opération, j'ai vécu des Jeux Olympiques et Paralympiques incroyables en Chine durant 1 mois et demi, à des températures parfois de moins 25, dans un contexte sanitaire extrême, entouré d'un personnel chinois en tenue toute blanche de cosmonaute. Je ne pouvais quitter l'hôtel que pour me rendre sur le plateau. Là encore, tout s'est bien passé, la compétition a été magnifique, les audiences excellentes et cela reste un souvenir inoubliable dans une équipe de France Télévisions plus soudée et solidaire que jamais dans ces conditions. Pour cette année 2023, je ne suis pas vraiment du genre à prendre des résolutions. Je préfère les projets aux résolutions. Et puis les résolutions de début d'année sont rarement tenues. Quoi qu'il en soit, démarrer une nouvelle année m'enthousiasme car si est-ce un nouvel horizon qui s'annonce, de nouvelles aventures, de nouveaux voyages. La sortie des fêtes de fin d'année aussi me soulage. Étant catholique, Noël a une grande importance pour moi mais le reste me laisse plutôt indifférent. En ce qui concerne mes projets justement, c'est encore une belle année qui s'annonce avec Roland Garros, le Tour de France et les championnats du monde d'athlétisme entre autres. Nous sommes lancés à fond également dans la préparation des Jeux de Paris 2024, un événement considérable pour lequel les moindres détails doivent être étudiés. Un autre grand projet pourrait naître et je croise les doigts. En 2022, vous avez pu suivre toute l'actualité des stars françaises, internationales, des politiques, et des différentes familles royales. Rassurez-vous, en 2023, on vous donne toujours rendez-vous sur Gala.fr pour tout savoir sur les stars. Crédit photo, Bertrand Rindoff-Petroff.